Salut tout le monde, c'est Ali pour le RPG Week, saison 9. Saison 9, Christy, je suis dans le futur. Épisode 9! Semaine 9, whatever. Donc, la question est, quel conseil donneriez-vous à votre moi du passé par rapport au jeu de rôle? Je vais pas parler à mon petit moi qui venait tout juste de commencer à 13 ans, 13-15 ans, à jouer une fois par mois avec mon cousin Eric. Non. Non, je vais parler à mon moi de 18 ans. Ben, peut-être à lui aussi, oui. Oui, à lui aussi. Bref, à tout ça. C'est juste. Ose jouer. Essaye de trouver du monde pour jouer. Joue et joue plus. Et essaye des nouveaux jeux, puis joue, Carlis. Attends pas que la game vienne à toi, va à la game. Cherche-en. Va voir là, puis genre, essaye pas, tu sais, genre, garde un œil ouvert, puis essaye des nouvelles choses. Genre, il y avait une activité de jeu de rôle à mon école secondaire, à Bernard Guerrier, puis à Sorel. Adresse, pardon. Peut-être ça, Bernard Guerrier, puis. Mais en tout cas, whatever, là. En tout cas, l'école d'adressier. Ouais, c'était Bernard Guerrier, puis pas Stéphane Lafayette, aussi. Bon, bref. J'avais une activité de jeu de rôle. J'y étais une fois, puis après ça, j'ai pas retourné. J'ai fait un personnage, j'ai passé une petite heure de dîner à faire un personnage pour un jeu de rôle de Buck Rogers, que je connaissais même pas le jeu. Il y avait quelqu'un qui voulait me montrer, puis ça m'intéressait un peu. Mais par après, j'ai comme eu peur, puis j'ai pas retourné, j'ai jamais retourné. Et je regrette, calisse que je regrette. Ça a été genre ma deuxième expérience de jeu de rôle, puis genre, c'était pas mon cousin, c'était pas mon frère, j'étais pas à l'aise. Puis genre, je trouve ça trop compliqué aussi. Calisse, j'aurais donc dû me sacrer un coup de pied dans le cul, puis aller pareil. Je suis sûr que je m'aurais fait plein d'amis. J'avais pas d'amis à cette petite école-là, j'avais un ami. À la place, bon, faut pas que je chante tant que ça. À la place, c'est là que j'ai commencé à lire des livres de Star Wars. Mais encore là, je suis sûr que j'aurais été capable de faire les deux ensemble. Calisse, j'aurais donc dû aller jouer au jeu de rôle à cette époque-là. Puis, genre, quand à 18 ans, j'ai commencé à être maître de jeu, j'ai commencé à aller chercher du monde. J'aurais fallu que je continue à chercher d'autres jeux, d'autres systèmes, toutes sortes d'autres affaires. Je l'ai pas fait assez. J'en fais jamais assez. J'en ai fait assez pendant une certaine époque, mais à cette époque-là, il aurait fallu que j'en fasse plus. Quand je faisais mes cours aux professionnels, j'en ai profité énormément. J'étais souvent à Palestine Goldiem. On jouait à Sailor Moon, on jouait à Star Wars, etc. J'ai joué énormément, mais c'est correct. Puis après ça, genre, pendant longtemps, j'ai pas réussi à trouver du monde pour qui jouer, avec qui jouer. Dans le temps que je restais à Montréal. Des fois, j'en avais eu, mais pas tant. T'sais, longtemps, j'ai pas joué. J'ai pas recommencé à jouer avant que j'arrive à venir à Québec, puis où est-ce que je découvre Donjons et Dragons. J'aurais donc dû jouer plus. Mais bon. J'aurais des choses à mon moi du passé. Je m'aurais expliqué comment aller trouver Patricia plus tôt, puis de monter à Québec plus tôt, puis monter vivre à Québec plus tôt, puis etc. Hey, il y a le club ennemi qui est là, plein de bons amis là, que tu vas avoir. Tu sais, cette fille-là, là, top notch, c'est elle que tu veux. Tu sais, c'est elle que tu veux pour toujours. Elle va te faire un beau bébé là, que t'adores. Telle place, va pas là, c'est de la merde, t'as perdu ton temps, tu sais. Tel job, va-t'en direct en informatique, puis genre continue en informatique, là. Apprends. Va-t'en au cégep, va apprendre l'informatique, tu sais. Va apprendre la programmation en plus de ça, tu sais. Ça va être bon pour toi. Et non. Mais bref, on peut pas vraiment. Mais bref, ça serait des choses que j'aurais dit à mon moi du passé. Et
C'est des regrets, c'est des petits regrets. C'est des regrets pareil. Bref, je vais vous souhaiter des critiques nombreuses et des fumbles rares. Bye!